Debout Congolais, unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance. Vous êtes le bienvenu à GCAM Télévision, fidèles abonnés, chers téléspectateurs, merci encore une fois de plus. Pour la confiance au Pesaka, Samba Olonga, Pouame Melabino, Basangoyamae et les Kaka Nakati, la République démocratique du Congo, de partout où vous vous trouvez à travers le monde, je vous souhaite la bienvenue à Katia émission Oyo, Debout Congolais. Na lobaka soki émission elingé banda biso nyonso totombola bendele ya ekolo Congo bendele ekitate soko zaki pembeni pusango lisusu e matalikolo ça veut dire debout congolais biso nyonso totele mambote mingi pa papa Gérard Kabea apesaka biso privilège ya ko présenter émission oyo na étando ya GCAM télévision mbote pe et pa na bino balandi nyonso oyo boza ko soutenir émission debout congolais vous faites partie de la famille Debout Congolais, de partout où vous vous trouvez, que vous soyez à Lubefu, na Sankuru, que vous soyez à Lodja, na Katakokombe, bozala na Mbujimayi, Kananga, Ngandanjika, Kabeya Kamwanga, bozali na Mweka, bozala na Ilebo, Kananga, Dimbelenge, Chikapa, bozala na Njokopunda, toutes les villes, il y a espace Grand Kasai, na Pesibino Mbote Mingi, bozali connecté. Na ekolo Congo à travers émission au Debout Congolais bote pe pa na bino bozola na biso na Congo central na Luozi bozola na biso na Mwanda Boma Matadi vous êtes à Kinshasa vous êtes à Lubumbashi Kolwezi Likasi bozali na Grand Équateur boza kuna na Bokungwe ki la bozali na Guado boza na Gemena hein boza na Lisala bozali na Goma Bukavu vous êtes en toutes les villes de la République démocratique du Congo, ils ont un grand bandoundou, na bosani binote, na ba ville au pena cité, te bozala na Maniema, na Kindu, na Kisangani, vraiment na pesibino matondo mingi ndenge bozo faire partie na émission Oyo, Debout Congolais continuer à profiter du bienfait de cette émission à travers analyse pe décryptage tout ça là ka ya ba information. Kasi yambo émission Oyo banda, na lobaka toujours Samba Olonga mutazala kana micro Oyo pe na répéta kana bino ete justice ya nzambe moto moko te a échappa kana contrôle nango soki yo ko échapper na contrôle na biso yeba ete na contrôle ya nzambe oko échappa kata mokolo moko te mabe yo salaka ezala na nkuku ezala na mpoisa d'une manière ou d'une autre tu finiras par payer les prix de tes actes si tu ne les payes pas sur cette terre si tu ne les payes pas au soir de ta vie. Même dans l'au-delà, nous finissons tous par payer les prix de nos actes. Voilà pourquoi j'ai lancé cet appel à chaque émission. Et te yo mutoko salaka mabe tika. Sala examen de conscience zonga moto. Nake na lombango na actualité na biso ya mokolo ya lelo, l'actualité est dominée par rapport oyo ba expert ya ONU ba pesa ki ndenge na lobela ki yango lobi awa. Oni a rejoindre maloba oyo ba congolais balobaka mais rapport wana esali objet ya rejet pe critique ya ba rwandais ya Paul Kagame gouvernement Paul Kagame balobi esali distraction bango bazali ko reconnaître te makambo oyo oni azali koloba du côté gouvernement congolais le gouvernement congolais salue Oyo Nations Unies asili bongo koloba pa azali kosenga Nations Unies azwa ba disposition nyonso nécessaire pour na ko sanctionner Rwanda oyo ba crime na ezali lisusu a cacheté par rapport ya instabilité oyo azali ko causer na partie est ya République démocratique du Congo pe kosenga ete ba M23 ba quitter na ba zone nyonso oyo esika bango bazali ko occuper la M23 c'est l'armée rwandaise, bien sûr. Rwandaise ali bongo sujet ali boso, toko lobela tout au long, ya émission Oyo. Nini penda toko zela na ONU, par rapport ya échange, ya débat Oyo. Est-ce que ba sanction eko zala? Qu'est-ce que le Congo, le gouvernement congolais doit faire face à cette situation, face à cet embarras qui a vu mettre les Nations Unies devant un fait accompli?
na kanisi ezali premier élément na biso goma précisément to lobelango tout au long ya mission oyo vraiment bande ko na biso ya goma ba rendre hommage na ba victime ya ba manifestation pour le départ de la mission des Nations Unies vraiment bo monaki bino moko ba image bo kota la pe sou ba photo na kati ya mission oyo comment nos frères ont fait une manifestation pour na kokende kokunda bibembe ya bande ko na biso ba martyr na biso oyo ba kufi kaka po ba lobaki ke MONUSCO bima na mboka na biso ozali susu na tina kozala awate wana pe tokolobelango tout au long ya émission oyo moi do simba po ba yebite Christian moi do simba ozali parti na def azalaki pe na kati ensemble ya Moïse Katumbi ye asil bon koloba ete bien que ministre il ne va pas quitter ensemble ya Katumbi, il reste loyal à Moïse Katumbi parce que c'est le parti Oyo et me maquillé na gouvernement. Donc, tant qu'il est là, ministre, il est loyal à Moïse Katumbi et ensemble pour la République. Et pendant ce temps, Eliezer Tambwe y a quitté ensemble, y a passé le parti politique na ye, Lokola Moyindo Zangi. À quoi devons-nous nous attendre? Au moins, Christian, moi aussi, ma petite position na ye. A-t-il tort ou il a raison? Décryptage, vous allez vraiment na privilège à Kolandango, toujours tout au long, il y a émission Oyo, et puis toujours dans le cadre, il y a émission Oyo, pour le Belapé Frank Diongo qui s'est dit opposé na Makambo Etali départ, il y a MONUSCO, parce que MONUSCO, il ne faut pas qu'il y ait avant 2023, c'est-à-dire avant l'élection et Salema. Il faut MONUSCO, Azalawana, au moins tous Azalana, un témoin. Oyo ako zalawana pona kota la makambo ba election nenge koleka avec Félix Tshisekedi. Frank Diongo azana raison to azana tort wana pe tokolobelango tout au long ya émission oyo mais na mbokosukisa tokosukisa na communiquer à banque centrale soko ozana billet 10 000 francs pona bato bazana territoire national bo monique signature échangée zali suite ya communiquer à banque centrale c'est-à-dire tozali na gouverneur ya banque ya sika. Désormais, na ba billet à 10 000 francs, 20 000 francs. Déjà mon colo, ton aïe, zali colo, tu vas s'inquiéter qui s'est communiqué là, vous l'aurez à la fin de cette émission. Et puis voilà la parenthèse, il y a émission Oyo, ils allaient être président de la République à Salakaka, bah, est vrai, il y a Malamu, bah, Jeep Oyo, bah, la kaki, na ba léopard, na biso, basketball, bah, ngope, bah, zui. L'eau, il y a ba récompense, il y a bateau, nyon, so, bah, zali, ko. Paix sa fierté na drapeau national vraiment promesse na bango oumelaki mais le président de la république Asili Bongo ko concrétiser yango mutuna batininga na tuna na président de la république na suka émission oyo bokozwango comme parenthèse encore une fois de plus na pesibino matondo mingi ndenge boponi émission debout congolais merci na bino pe bonne écoute na za ko pesa na bino soko link appartenir na émission debout congolais la seule façon c'est de vous abonner à cette chaîne, cliquez sur la cloche de notification. Chaque fois que Samba Olonga ko yana ba analyse na ye ndenge bo apprécier ka yango, ozanga te ou rataka yango. Na utaki koloba awa par rapport ya actualité na biso. Oyo ezali dominé na rapport ya ba expert ya Nations Unies. Na lobaki na émission lobby ke rapport wana c'est du connu mais au moins la honte et le fait que le peuple congolais na gouvernement congolais est poussé ONU face à un fait accompli l'ONU est aujourd'hui obligée d'agir c'est-à-dire agissement d'abord bango ezali premièrement d'abord les faits pourraient de publier ces rapports là venant de leurs experts Oyo bazali kolobate Rwanda azali impliqué na makambo nyonso oyo M23 azali kosala. Des colonnes de l'armée rwandaise ont violé le territoire congolais pona ukendaka appui na ba mouvement rebelle. Là, c'est clair. Tout le monde aujourd'hui salue même si biso ba mususu toza ko saluer moto pote yobi que c'est du connu, on attend ba preuve o ezali œuvre, pardon, aux alliés concrètes. On attend des décisions.
l'ONU a dit ce que les Congolais disaient déjà depuis longtemps. Le gouvernement congolais aussi a salué mesure Rwanda. À travers Patrick Muyaya Pona Bato Balandie, il a bien dit que le gouvernement congolais salue les rapports Oyo ONU Azali, coupé ça Azali, pas mounene, pour na éclairer na mokili mobimba, makambo Oyo Rwanda Azali Kosala, comment Rwanda Azali ko créer instabilité na parti est la République démocratique du Congo. Mais les propos ne s'arrêtent pas là. Le gouvernement de la RDC demande à ce que l'ONU puisse aller plus loin pour prendre des mesures nécessaires à sa décision par rapport à Oyo Rwanda Zakosala. Nous rappelons que déjà le fait qu'il a violé le territoire de Batou, l'armée Moko Songolo Pakala est condamnée dans les Nations Unies. Le fait que l'armée est un mouvement rebelle. Embargo, on va payer ça na RDC ou bazalaka qu'il faut qu'on notifie. Bah justifier quand on va l'obaga que bah militaire congolais, il y a des soupçons. Mingi n'est pas qu'à Kabila qui les armes quittées de l'armée congolaise vers les mouvements rebelles. Et embargo, selon Bangwe, c'est justifié qu'à na sens ou en a tout dit que c'est un mensonge. Mais au moins dans les cadres du droit, pour eux, ils ont trouvé une raison sur base de ça. Pour na Rwanda, Pesikoyo. L'OCOL est monané clairement que c'est le Rwanda qui appuie logistiquement cette rébellion-là qu'on appelle M23. Et c'est Rwanda, via ses militaires et forces spéciales, qui appuie Oyo, Moussalawana, Bandani, Wana, Bazakozoa. Sanction, Nini, Bakopé, Sana, Rwanda. Le gouvernement congolais veut que l'ONU aille plus loin. C'est-à-dire, Awa, les choses s'avèrent déjà claires. Na kan na biso ba congolais, au moins déjà on a une reconnaissance. Il y a système à Nations Unies parce que ça pressionne le bisi bango na lobaki yango lobi que c'est une déclaration de honte. Si aujourd'hui ces rapports là est publié, ils ali suite il y a pression au peuple congolais à sali. Ceux qui congolais sala ki o ya sala ki te bato ba marcha ki te, ceux qui bato ba kufa ki te, mais les rapports wana tulinga pe to yo kangote. Les Congolais se sont sacrifiés. Ba Congolais ba pesi makila na bango ndenge tozomona baza ko lela bango lelo. Gain de cause c'est que na soni wana baza obligé au moins ba adhérer déjà na oyo ba Congolais baza ko kanisa pe ko loba depuis longtemps avec preuve même à l'appui que voilà les Rwanda nous agressent, nous avons des preuves. Si le gouvernement congolais, cela ne doit pas s'arrêter seulement à des déclarations demandant aux Nations Unies d'aller plus loin. Il faut que cela soit acté. Il faut une plainte. Outre les plaintes qui ont déjà été déposées, outre les rapports mapping, que les Nations Unies, à travers le système Nabango, va sanctionner les différents responsables. Il y a un massacre. Il y a des viols, il y a des crimes de guerre à l'est de la République démocratique du Congo. C'est dans le cadre de la réparation. Parce que lorsqu'on parle en termes de droits, on voit la réparation du préjudice. Les peuples congolais souffrent pendant des dizaines d'années d'une injustice Oyo Ezali inadmissible de la part du système et des Nations Unies. Et le gouvernement congolais doit encore reformuler ça pour clouer davantage le Rwanda qui est déjà asphyxié. Parce que Abaza Ouzoulé va sanctionner les États-Unis. Pour l'Amérique, la page Kagame est déjà tournée. Parce que quand la page est tournée, c'est la politique. Il y a des gens qui ont page tournée, qui ont continué pour que je suis plus fort. Mais déjà, ça se sent même à travers les médias à Rwanda, où ils ont été pro-Kagame. Ils ont le droit à Bissot, à Wate, à Toubaye, à bénéficier de la liberté d'expression, à Pessi Bango. Au Rwanda, ce n'est pas comme ça. Ils se plaignent déjà là-bas que Bazali déstabilisé, il y a des lobbies qui, soi-disant, Félix Tshisekedi, Azali Nakati, quoi, appuyer pour déstabiliser leur régime. Kagame s'approche petit à petit. Et ça risque déjà à grands pas, vu son entêtement, que pour ça la montre et s'accélérer davantage. Si vous avez dit que 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 vous avez dit que
pour moi na lobaka makamu na ngai na zo zongela kaka na même logique pour to kende ndenge wana. C'est-à-dire les Congolais aujourd'hui doivent encore exiger plus de la part des Nations Unies, soit à travers les gouvernements, soit à travers des marches, des raisons. Moto azaka na raison, azaka na façon moko claire ya kosa ila makamu. Aujourd'hui, on a quand même moins terrain d'entente et alliés entre les règles de la démocratie, telles que Félix Tshisekedi veut que ça soit, même si notre police est encore à réformer, à mieux structurer, à professionnaliser, pour bakoba davantage na lolenge ya ko encadrer ba manifestants na ndenge singeli. Mais on sent déjà qu'il y a un climat de démocratie qui respecte liberté yabatu yako manifester. Les manifestations prochaines ne doivent pas se baser sur des manipulations politiciennes. Parce qu'on sent qu'au Congo, au lieu batu ba se baser sur la raison, au nom de l'intérêt général, les gens vont se baser sur leurs intérêts pour manipuler la jeunesse. Yo bimino na balabala oyé olobi ozo senga départ ya MONUSCO. Obimina ona balabala olobi toza ko senga justice internationale face ya complot, face ya injustice au monene bizo toza ko vivre. Nous voulons que l'ONU parte. Mais okomi na kata balabala oloyo bima na conscience na yo, okomi on dirait un élément manipulé payé pour semer le désordre, pour créer l'ambogolio na isika o message ya malamu esengelele. Parce que ici c'est clair. Le message de tous les Congolais, c'est que nous voulons voir clair face au système des Nations Unies. Ce système ne nous respecte pas. Ce système n'a aucun égard vis-à-vis de l'État congolais. Ce système nous considère comme des sous-hommes. Ce système est désavantagé pour nous. C'est-à-dire, si l'ONU, même ceux qui ont été dans 3 mois, ont été dans 5 mois, en tout cas, il faut baser la raison valable et justifier la présence dans Bango. Voilà pourquoi ça s'active à l'ONU. Soni wana ndena lobaki ne mission lekaki makamweza ko yaya minene e yindeli e kagame e bango na Nations Unies parce que le Congo leur a donné un exercice bino ba congolais mutu bopesi bango exercice continuer à donner de l'exercice aux Nations Unies parce que le seul endroit où ils sont nombreux ou encore présence na bango ezali c'est au Congo. C'est au Congo où nous devons leur imposer existence na bino ezali nini. Il y a des réunions qui sont au salé. Pendant que nous avons vu dans la Séouana, il y a des réunions où nous avons vu qu'il y a des réunions sur comment soigner l'image des Nations Unies au Congo. Parce que le nouveau départ est allé, pour ceux qui savent bien voir, si l'ONU peut encore exister et que nous avons confiance en nous, il faut que nous avons vu le son de Malonga. Je ne dis pas que nous devons faire confiance à l'ONU. Ça, je ne le dirai jamais. Vu tout ce que les Congolais ont connu, les Congolais doivent toujours garder la ligne de la vigilance, la ligne des manifestations à chaque fois pour revendiquer plus. Parce que jusque-là, préjudice va causer na biso mokili mobimba. Il n'y a pas que l'ONU. Toute la mafia internationale est dedans. Toutes les grandes puissances, les pays puissants du monde sont dedans. Na kata manœuvre. Les Congolais n'ont pas de droits. Babo Mabino, Basile Sabino et Tali Bangote, chacun tire ses dividendes et pour eux, c'est fini. Donc, pour conclure ce point, nous allons comprendre que là, les choses avancent pour notre intérêt. Mais, l'issounabi soto fongola, ma casse. Nangamu ya Rwanda, ça pleure. Parce que le gouvernement rwandais, bango balobi pona bango, ils ne reconnaissent pas les accusations. Balobi ezali distraction pona bango. Makamu oyo oni azako loba bango ba yebi yango te pe bazako reconnaître yango te. La M23 c'est un mouvement interne na ba congolais, c'est un problème que les Congolais peuvent résoudre à l'interne. Ce sont des propos que nous sommes habitués à entendre de la part de Kagame. Kagame ne change pas, les propos sont les mêmes. Il est dans son système, il doit se défendre, il doit trouver toujours une raison pour nier. Gouvernement congolais lobby. Quant à Kagame, il doit reconnaître, il doit être devant ses responsabilités pour reconnaître Bouzo Bao Yaza Kosala na Congo. C'est dans cette même ligne-là que le gouvernement congolais agit avec sagesse. Parce que ce que le gouvernement congolais a s'azarda qui pour lancer l'assaut
guerre ouverte avec les Rwanda, c'était le piège de la communauté internationale. Pour Bangonyon, ce n'est pas contre Bissot. Mabe obiso toza ko condamner Rwanda ezali mabe oyo bango nyonso basali. Je le dis toujours dans mes émissions que le Rwanda n'est qu'une petite fenêtre oyo ezali ko fongola réalité moko munene bomba mina sima. Derrière le Rwanda, c'est tous les pays du monde qui veulent que le Congo soit instable pour bango ba profitaka na ba minerai na biso lokola richesse obiso nzamba pesa biso et koma lokola malheur au biso tozwa. C'est ça le sens même ceux qui vont toujours critiquer le gouvernement congolais. Aza réactivité, aza ko sala boyeté, c'est vrai. Il y a des choses qui doivent être arrangées au niveau du Congo à l'interne. Mais la sagesse de Félix Tshisekedi nous sauve dans beaucoup de choses. Si Félix Tshisekedi avait été allé vite à la besogne, ce qui Félix Tshisekedi a se précipité qui le ko la musée, n'a lancé guerre. Je vais réduire le Rwanda poussière. Bato nyon so bazo sala biso mabe balingai babata manabango. Bitumba wana biso to nato lancé contre Rwanda, c'était contre la communauté internationale sans toutefois la dévoiler na ba méthode na bango, nde to nga kito lancé guerre. Aujourd'hui, grâce à la patience de Félix Tshisekedi, chaque ennemi, chaque prédateur s'est fait découvrir lui-même. Aujourd'hui, on ne savait pas que nyon so eza ko salema ONU pa ko zala akize suka tisuka. To akize Kagame, to akize Kagame suka suka. Bouzo ba nyonso ya ONU na kati ya Congo et bimi pepolele. Et sachez qu'après ici, il y aura encore d'autres. Tokomona mabe nyonso, bango na bango bako tuta na mitu. Ils vont s'accuser mutuellement. Les vérités vont sortir. Ils seront obligés de décider. Voilà une démarche démocratique de quelqu'un qui est éduqué dans la démocratie, qui maîtrise bien, qui a tous les ingrédients de sagesse dans sa façon de faire les choses. Alors, toujours ça, la belle loge, on a président de la République parce qu'il sauve le Congo à chaque décision. Parce que ce qui est le Congo, tokei na rapidité, à souci, à vengeance, qu'on engage guerre na Rwanda, sans savoir les réalités, sans savoir comment système ouane ezali moulaï, système ou yememi injustice, c'est-à-dire nous serons seuls face au monde entier. Et la patience de Tshisekedi finit par payer parce que son y a modèle où il y a Nations Unies, il faut que l'on remonte à clouer que l'on sa chapeau. C'est de là qu'il va partir les choses. Kagame va finir. Mais biso ba Congolais, nous devons comprendre que le mal n'est pas seulement Kagame. Nous devons être éveillés davantage. Tous les Congolais au biso Lukaki, des pères et des mères. Nous avons aujourd'hui, nous avons pleuré que n'importe Kabila talandenge zalaki. Malheureusement pour nous. Il y a des Congolais, je peux déjà enchaîner dans Beliman à Lubagiawa. Il y a des Congolais qui veulent nous faire croire qu'il y a l'ONU est important. Tout le monde sait pourquoi tu as lié à l'ONU. L'ONU a zo ça et la biso et l'autre côté. On n'a pas dit que l'ONU va se précipiter, mais il faut amener tout limiter le mouvement na bango. Kola ki sa bango que c'est fini. Qu'on trouve déjà clause finale et sortie na bango. Personne n'a dit que l'ONU faut pas chasser bango. À la manière des chiens. Non, nous savons que système en Nations Unies, le président congolais ne peut pas s'hasarder pour na kubanda ko bundana batwana nyonso. Mais awa Frank Diongo alobi pour na ye on y a tika la pour na élection. Les élections sont importantes. Frank Diongo voit que l'ONU doit toujours rester au Congo parce que Félix Tshisekedi na ba manœuvre na ye, il faut qu'on y a za la loko la seul témoin na bango. Voilà le raisonnement congolais. Voilà le raisonnement des politiciens congolais. C'est vrai, hein? Biso peka kande ba congolais mutu tozo pesa avantage na bato baza ko mérité en côté. Tant qu'il y a des politiciens comme Frank Diongo qui n'a aucune base, qui n'a aucun endroit où ya koko bima boya bimi penda boya za politicien bomoni aza tana différente na poche na ye, omoni bato pe bazingiye azolo ba makambo a solo. Mais juste créer bas une valeur par rapport à système ya Kabila. Oh, il fabriquait bas tout bas opposant bas tu as forme na forme uniquement parce que il y avait la télé, quelqu'un peut venir dire les choses, mais fond naïe à la base zéro. Comprenons que cette situation nous amène moi gain de cause moko obiso to megi kozwa. Mais c'est au Congolais d'être sérieux et d'être réveillé là-dessus. Je parlais ici dans le Kambwetali Christian Mwadou Simba. Je vous laisse d'abord suivre son audio
ezali émission oyo asalaki bolanda maloba na ye malamu parce que awa le paysage politique ezana kata bitumba ba politiciens congolais parce que dans la plupart ils ne sont pas politiciens, ils sont opportunistes. Ba o musu bazoluka ba kende na gauche, ba musu bazoluka ba kende na droite. Les autres hypocrites tentent de voir na mikolo soki ezako leka na kende na diembe la wapi. Suivons d'abord Christian Mwando Simba et puis revenons pour l'analyse. Dernière question, monsieur le ministre. Vous allez bientôt créer votre parti politique. Sortir l'UNADEF d'ensemble, vous allez sortir d'ensemble pour la République ? Sortir d'ensemble pour la République, ça veut dire quoi ? Créer votre parti politique et devenir être autonome. Non, écoutez. Moi, je crois que la politique dans notre pays doit se faire quand même autrement. Vous comprenez ? Moi, je suis au gouvernement de la République pour le compte d'ensemble pour la République. Si je dois quitter ensemble pour la République ou créer un autre parti politique, je dois d'abord céder mon mandat. Parce que c'est ça la règle. Je suis ici pour le compte d'ensemble pour la République dans la coalition Union Sacrée. Vous êtes ministre du gouvernement, ministre du pays. Je suis ministre du pays dans le cadre des négociations de la coalition Union Sacrée dans le quota de Ensemble pour la République. Je ne peux donc pas commencer à faire des choses pour dire que moi je quitte Ensemble pour la République et je garde quand même le quota au niveau du gouvernement. Ce ne serait pas correct de ma part. Moi je suis un homme de parole. Je suis membre d'Ensemble pour la République. Le jour que je quitte Ensemble pour la République, je commence par céder mon fauteuil qui m'a été confié par le chef de l'État sur recommandation de mon parti politique. Vous restez donc, vous ne quittez pas votre parti politique, vous restez dans Ensemble pour la République. Je reste et je suis membre effectif d'Ensemble pour la République et je suis loyal à mon groupe politique. Nakandi Bolandi, moi de Simba, très bien. Il y a des rumeurs qui circulaient qu'il aurait quitté Moïse Katumbi. Il est venu mettre le point sur les i. Bolandi, mituna malamu, Bolandi, précision na ye na répondre. C'est vrai, azala namabe, azala y ensemble, mais au moins cette franchise-là vaut la peine. Parce qu'il y a des acteurs politiques congolais qui ne veulent pas dire vrai les choses. Les Congolais ont besoin de transparence, les Congolais ont besoin de bayo. Ils ont le rôle à Muriel Mbalembate, qui a dupé les Congolais. Les Congolais se retrouvent pour voter Moutou. Alors qu'il n'y a Kabila, personne, parce que ma maman est belo, ba kosamaki. Papa wana lobaka bien, papa moko lobaka na chaîne na ye ya lobelaka biso. Ba yebite ke parti na ye, ba yebite ke ye azaki na sima Kabila. Après, il sort à la télé. Ça ne peut être acceptable qu'au Congo. Il n'y a que au Congo o muta ko yebisa bino bongo na bosanaki, ko yebisa bino ke nazana sima Kabila. Moi do Simba est clair. Parce que moi, j'ai essayé d'interpréter ça à ma manière. J'ai trouvé que, en tout cas, félicitations à ministre. Parce que je ne sais pas s'il sera reconduit. Politique, il y a Moïse Katumbi. Ils allaient politique. Moko, il y a business. Jusqu'aujourd'hui, officiellement, ensemble de Moïse Katumbi est membre de l'Union Sacrée. Mais dans les déclarations et tout ce qu'ils font, Ensemble de Moïse Katumbi est dans l'opposition. Toujours ébatté, Nabutu, Ozana, Satana, Namoy, Ozali, pasteur. C'est presque la même chose avec ce qu'on voit avec certains pasteurs qui ont fini par devenir farceurs. Il est pasteur, mais c'est un magicien. Ce que moi, le Simba, Atalisi Bisso, c'est leur compréhension, il a encore besoin de Katumbi, il a besoin de l'argent de Katumbi. Les Moïse Nouzangi ont trouvé qu'il n'y a plus rien à espérer là-bas. Parce que Awa n'a quand Oyo ba assimilakabatu aux étrangers. Assimilé aux étrangers. C'est-à-dire les camps de Katumbi, les risques qu'il y a dedans. Bato bazo mona dana musika ba yebi que Katumbi n'a pas de chance politiquement. Un, la nationalité pose problème. Deux, il est dans des dossiers sales. Même si aujourd'hui Félix Tshisekedi n'a pas la mauvaise foi de les clouer dans ce sens-là. Parce que ce n'est même pas à Félix Tshisekedi de le faire, c'est à la justice. Maboko ya Katumbi, ils allaient saliter le collègue Joseph Kabila. Ça, c'est des deux. Des trois, Mbongo ya Katumbi et Silaka.
Mais les Congolais, en gros, les lots sont Fongoli Misu. Parce que c'est différent. Ce que tu as dit, les Congolais n'est pas Kabila, les Congolais n'est pas Tshisekedi. Même si les Congolais eux-mêmes, pour la plupart, ne se rendent pas compte qu'il y a des avancées, mais il y a vraiment une nette amélioration en termes de droits, en termes de liberté. C'est que les lots, batoubaza ko critiquer biloko bazaki na courage à critiquer l'obité. Les lots, batoubaza ko simba président de la République tina bilamba. Bazoko tati na famille na ye. N'importe quoi Joseph Kabila, il faut réfléchir deux fois pour que nous voyons beaucoup tati na famille à Kabila ou tout na banane. Ses propres sœurs sont décédées, baser na ye ou bazako ni officiellement. Bakoufa na ba condition moko mystérieuse. Donc ici de ko mois de simba Atali sibi soka a clair que ye amoni ne ke koto ya tiseke di position e ko zalate. Je garde ma position. Mais en tant que quelqu'un qui manipule bien la langue de Molière, il dit voilà, na yagi na gouvernement, na cadre ensemble, na concha ba négociation ensemble pour les changements, et le rôle ensemble pour les changements, et mouyango mouté mandata gingay, je reste loyal, fidèle à ma parole. Oui, ça c'est vraiment les paroles d'un politicien. Mais le fond est creux, parce qu'ensemble n'a pas une politique claire. Balingo yo balongwe kuna balobi ke politique a katumbi eza clarté, leadership wana eza responsabilité. Soit on est dans l'opposition, on sort de l'union sacrée, soit on est dans l'union sacrée et on s'assume. Parce que le bilan doit être partagé. Nous reconnaissons que nous avons travaillé au sein de ce gouvernement-là. C'est bien clair là-dessus. Mais oyo alobité, en même temps, nazana ngai. Et pas en Zambé Kotoyo, en même temps, tu es au Mouni, ils ont un groupe normal, ou quoi que ce soit, mais le coup de la gana, c'est décidé que n'a pas en Zambé, mais n'a pas de Satan, il faut tout ça. Non, c'est ça. Donc ils ont remetté. Dans la forme, Christian Mwando, Azana Ena, raison. Mais au fond, c'est une aventure que tous les Congolais ont fini par comprendre. Il faut escroquer l'argent de Katumbi. Pour ceux qui ne vont pas se retrouver, parce que l'union sacrée, ils ont facilité. Félix Tshisekedi a découragé Batebele et moi j'applaudis le président de la République pour ça. Batebele, Bazelagi, Baposa, ba mandataire, Bazelagi, na union sacrée, ba mona boué, ba kumbi, ba ngotozo kendepe na soukao. Nombreux doivent disparaître de la scène politique. Mais pour ceux qui veulent exister, ils doivent faire bloc. Bakende na kaya Kabila parce que là-bas il y a l'argent, il y a encore l'argent. Mbongweze belé au Kabila za nangonan. Ya ko kabole la kabango, mbongo musu sezo wuta na maboko a Katumbi et c'est cet argent là qui va battre campagne pour eux. Le camp du changement na bato baza ko tikala na Félix Tshisekedi, c'est bien clair là-dessus. Yango moni Eliezer Tambwe a longwe. Ye pas sali parti politique. Mais bosunga biso bana mboka. Si il faut suivre les choses na katali roy ke batunyon so bazolongwe pa Katumbi bazo sala parti politique, on en aura combien? Et la tête commence à nous faire mal parce que mukolo na ko décidé na ya na papier ba parti politique a on a présenté na banda ko tanga wa ça va rendre les autres malades et monsieur aussi la tête que des partis politiques. Nous avons dit et vous avez compris comment ça se dessine. Jusque-là, Kabila reste le maître de l'opposition congolaise, pour ceux qui s'appellent opposants. Parce que Toyebi, dans les fonds encore, ce n'est pas une opposition. Et Zali, Batumoko Baza préparé pour faire le sabotage des actions de Tshisekedi, pour pas présenter Yesu un mauvais jour devant le peuple congolais. Les Congolais sérieux, Congolais au Yazana Bassans na Yenyons, qu'ils soient politiciens, qu'ils ne soient pas politiciens, les Congolais qui s'alignent derrière Katumbi, soit c'est un ignorant. Mais dans le contexte où Lilo, il n'y a pas d'ignorant par rapport à la réalité. Dans le contexte où Lilo, seuls les corrompus s'alignent derrière Katumbi. Seuls les ennemis de la nation vont accepter d'avoir un étranger comme candidat de leur choix. Et les Congolais qui acceptent que Bakinabango Kouliaïmbongo, les malins, ils peuvent aller bouffer leur argent pour enfin se cacher lorsqu'il sera peut-être déchanté. Voilà tout ce qui concerne l'actualité. Dans Makambo Etali, Makambo Yamodero,
Simba. Likambo yaba ndeko na biso bakufaki na Goma, vraiment félicitations na bana Goma. Merci Nabino parce que vous gardez toujours cette mobilisation là vraiment au zénith. Gardez cette même température là. Na kanti ba photo yo bolandaki yango. Ma photo yo bozomona zo défilé. Nos frères ici ont été lâchement assassinés. Tozo benga ngo ba assassinat. Ils ont été non attirés, non, ce sont des assassinats. Assassiner Batunanko parce que Muto Yozo Bomazana n'inite, même si Azana Libanga, Okobete Massassina Zotote. Ça, ce sont des martyrs et toujours Senga, normalement, gouverneur, Yanor Kivu. Choisissez un endroit. Jour Bandekoana Bakweyaki, Soubabal, Ezala, Bazala, na journée, ya commémoration. Batunyon, Ezala, na un endroit. Batunyon se va rebondir qu'on se souvenir nango par rapport à Makamuto connaître les Nations Unies. C'est ça une façon culturelle. Il y a qu'on garder souvenir parce que biso tobo sanak. Les crimes il y en a trop. Génocide tout monde en sous leur forme, mais il faut savoir peut qu'on recadrer les événements à biso. Pour mieux se souvenir, il faut trouver un endroit. Ériger un monument en mémoire de ces frères là braves. Oyo bakwei na masasi moniskwa beti bango na mémoire na bango parce que lokola biso ba kongolais to bosa na kanoki ba manifester lelo bato bakufi lobi ba musuba sali comme si rien n'était à Kinshasa. La vie est normale dans les autres villes de Kinshasa du Congo, la vie est normale. Trouvons un moyen parce que nous histoire et c'est perdak okuti sika ba massacre bato en désordre okuti ba tchaka ka libaya moko boye to libende. Et tu kali na ngoka ndenge wana. C'est le moment pour nous d'écrire notre histoire. Et la façon d'écrire l'histoire est ali ndenge bo sepeli ko honorer batwana. Il faut être encore plus solidaire pour perpétuer la mémoire de ces jeunes gens qui ont laissé famille, enfants, qui sont morts pour la patrie. Ce sont des héros. Et ça facile tout bimaginda kuna bino obimi oyé pour la cause de la nation et au coup finayo. Ça fait très mal. Partageons vraiment cette peine là parce que pour nous qui sommes attachés na makambule kakana mboka avec les cœurs, des fois bapongi ezala kate. C'est triste parce que dans notre propre sol toujours connaître barbarie à modèle ouana, même par des institutions qui sont dites des institutions de droit international, ben institutions où ils allient, il y a pacte international, on nous humilie. Si on a encore des gens qui peuvent parler du bien de la MONUSCO, ils ne peuvent pas le dire tout haut. Mais batu bazali bazo continuer koya ko créer équilibre dans ma propos par rapport à l'Italie MONUSCO. Vous comprendrez que Nazali vraiment attristé quand je vois ces images, Yabandeko, et Zopé Samingi passe. Nalobaki, président de la République, Asili Bongo Pé Sabadip, il a promis, il a réalisé de 2019 en 2022, procédure Ezagi Moulaï. Vraiment, ils ont fini par avoir l'air deep. Zuba dip na bango les bonnes œuvres tout beteli yango maboko parce que batunyon so bazali ko retrouver na ba condition na bango ba lopar bazwaka ba mituka soki bazui chan ou bien kan ba pesa ka bango mais ba lopar na biso pe ya basketball on a lobia reza ya football ya basketball cette fois-ci pe ba pesi bango mituka na président de la République, il les a honoré après plusieurs jours d'attente. Vraiment, ça montre que le président de la République a accordé importance à ses citoyens et à toute couche de la société. C'est-à-dire ceux qui ont été salamalam pour le drapeau. Vraiment, la nation doit vous être reconnaissante. Même autour de la tour du président de la République, Badip, le professeur Bazozoa, le député Bazozoa, Badip. Bibliothèque
le président de la République, mandat, ils ont risqué si là. Au Congolais, les gens ne lisent presque plus. Il n'y a plus la lecture batubatanga kali susuté. Mokolo nini, président a inauguré bibliothèque. Pourquoi les livres continuent à coûter cher au Congo, mukanda na Congo, ils a cher. Livres, les jeunes ne lisent plus. Kuna kutu kotala na yote. Nous avons des licenciés qui terminent leurs études universitaires sans lire un ouvrage. Atikala kotanga ta mukanda te. Yebisanga mutandenge wana na université kenda kolukani. Ils sont nombreux dans nos universités. Lorsqu'il s'agit de TFC, travail de fin de cycle, lorsqu'il s'agit de mémoire, à salika ka copie collé plagiat à sangisi à luki muto à salélié à présenter tout et puis comment ça se passe. Pas de bibliothèque. Kabila ti akeya wa atikali kotonga ta bibliothèque mon côté. Monsieur le président de la République, il a défi. Ngai na lobi kaka oyo bato ba yibina loba. Avoir une bibliothèque, ils en ont encore début. Bakor et à Floride, oui, ça là qui va détaxer livres. Tile lo, ils en ont oublié. Mukanda na Congo, ils acher. Kende na ville, ba peso titre à Mukanda Otuna, $50, $100. Mikanda valeur, na Congo, ils ont un problème. Pourquoi les livres continuent à coûter cher? Mutuna na président de la République, na tanti message au coma, na souki si, na communiqué Oyo, il y a Banque Centrale. Na kanti bomoni communiqué wana soko moni billet il y a 10 000 francs il y a 20 000 francs et la gisit ba signé kabe dindenge ba komi wana ndengo zo mona moni lili wana. Cela ne veut pas dire que ezali faux billet et la kisi que gouverneur ya Banque Centrale a sili bongo ko changer désormais na ba billet wana sika bokomona mokolo toto pe signature ya mama kabedi ozali gouverneur na biso actuel ya Banque Centrale. Voilà, na komi na suka émission oyo tumbola bendele sika ozali na zalaka fier ya kozala congolais yo peso kozalaka fier ya kozala congolais esika nyonso ozali tumbola bendele kolo Congo à travers bizaleli ya malonga kozala na attitude ya mabete ozali banda mboka ozo présenter batu image za malamu te po bafinga ka ba congolais partout où on est même soko changer mukanda na papier c'est possible d'honorer le Congo batu pe bazala fier ba yeba ke Congo existaka. C'est à nous de redorer l'image ternie de notre identité pour que nous soyons fiers de nous être tozali ba congolais. Merci, émission. Ici, Libongo Kosi, la bisonyon sort. FARDC, na moté, na Tony Bino, Bozaki, Bélé, Rolandangaï, na Caroline du Nord, na Texas, na Illinois, na Chicago, Bozaki, Bélé, Rolandangaï, na Atlanta, na Montréal, vous êtes à France, Paris. Merci, na Papa Jean-Louis Timbalanga. La vérité de la vérité des urnes, un bel ouvrage. Oyo bisonyo se singeli to se référer pour na rotanga. Merci na maman Lisette Mongbendou. Merci na bandeko ebelo na tangi komboté. Les maires adjoints na France. Papa Bernard Mpunga na pesi yo pe matondo mingi. Boza ebelé na rotanga ka bakombo na bino nyonso te. Vous êtes des héros dans l'ombre. Bosala ki émission oyo et continuez toujours ko kende liboso. Na pesi bino matondo mingi to monani na prochaine émission. Bye. Dernière question, monsieur le ministre. Vous allez bientôt créer votre parti politique. Sortir l'UNADEF d'ensemble, vous allez sortir d'ensemble pour la République. Sortir d'ensemble pour la République, ça veut dire quoi? Créer votre parti politique et devenir être autonome. Non, écoutez. Faire une sortie. Moi, je crois que la politique dans notre pays doit se faire quand même autrement. Vous comprenez? Moi, je suis au gouvernement de la République pour le compte d'ensemble pour la République. Si je dois quitter Ensemble pour la République ou créer un autre parti politique, je dois d'abord céder mon mandat, parce que c'est ça la règle. Je suis ici pour le compte d'Ensemble pour la République, dans la coalition Union Sacrée. Vous êtes ministre du gouvernement, ministre du pays? Je suis ministre du pays dans le cadre des négociations de la coalition Union Sacrée, dans le quota de Ensemble pour la République. Je ne peux donc pas commencer à faire des choses pour dire que moi je quitte Ensemble pour la République et je garde quand même le quota au niveau du gouvernement. Ce ne serait pas correct de ma part. Moi je suis un homme de parole. Je suis membre d'Ensemble pour la République. Le jour que je quitte Ensemble pour la République, je commence par céder mon fauteuil qui m'a été confié par le chef de l'État sur recommandation de mon parti politique. Vous restez donc, vous ne quittez pas votre parti politique, vous restez d'Ensemble pour la République. Je reste et je suis membre effectif d'Ensemble pour la République et je suis loyal à mon groupe politique.